On va le laisser venir proche. Je vais avoir une belle image. Pas le C4, tu veux. Prends ton temps. Tu me dis si tu veux que je lâche un jambe. Arrêtez. Repas de graine. Yes, sir. Tabarnak. Un autre blindé. C'est bon. Il est mort. Hein? Il est mort. Change, j'avais plus de batte. Yes, sir. Good job. Good job. C'est le même que... Ça fait longtemps que j'ai... Hey, tabarnak. Ah, il est fait, il est fait. Le premier coup, tu l'as bien passé. Même spot que l'autre jour, 3 semaines plus tard. C'est le même coyote, je suis sûr, à 100%, juste par la couleur du chest pis tout. Ça fait bien des sorties qu'on fait. Il était temps qu'on en envoie un. Si vous voulez. On recommence la saison en force. Yes, sir. Ça valait la peine d'y laisser 3 semaines avant de revenir. Il est là. Ah, oh, il est mort. Bon, ben, notre premier coyote de la saison, ça nous a pris à peu près 12 sorties. On a travaillé fort. On est sorti à matin, 2 shots, puis tantôt, je suis en train de... Je vais le dire, j'étais en train de somnoler à la maison, puis Francis m'a réveillé, puis il m'a dit « Viens-tu à la chasse? » On est revenu à la place, puis il a manqué son coyote là, 3 semaines, puis on a fait sortir le même coyote. Il est sorti du bois de la pointe, exactement où Francis m'avait dit qu'il sortirait, puis on l'a fait rentrer jusqu'à peu près ici, puis il était à autour de 175 verges. J'ai pas fait mes meilleurs shots, mais asti que j'étais nerveux avec la caméra qui roulait, fait que on va se reprendre la prochaine fois, on va essayer de faire ça en un shot.